Bonsoir les poissons, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je fais des prédictions pour 2024. C'est une vidéo que, évidemment, on s'entend, vous n'allez peut-être pas reconnaître votre situation dans le moment. Le but, c'est bien sûr d'y revenir dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an pour avoir du recul sur ce que vous aurez vécu et faire les liens. Personnellement, moi, je tiens à les faire, ces guidances, cet horoscope annuel. C'est un rituel pour moi, donc je ne passe jamais outre. Ça n'arrive qu'une seule fois par année. Donc, j'espère quand même que vous apprécierez la vidéo. Comment je travaille cette fois-ci, c'est je tire une carte par mois, une carte à l'endroit seulement à partir de ce jeu, puis je clarifie avec un deuxième jeu les cartes à l'endroit ou à l'envers selon ce qui sortira. Donc, je vais décortiquer mois par mois, mais en fait, je vais faire aussi plein de liens et l'idée, c'est de faire ressortir les points saillants. Je vous prie de liker la vidéo. Vous savez, ça fait toute la différence. Entre autres, ça me laisse savoir que vous appréciez mon travail et pour ça, je vous en suis éternellement reconnaissante. Donc, voyons voir les poissons, ce que 2024 vous réserve. Celle-ci. Le valet d'épée, on vous surveille en janvier. Le 5 de denier en février. Ouh là, le 5 de coupe en mars. Le roi de denier au mois d'avril, le valet de coupe au mois de mai, la reine de bâton en juin, le 5 d'épée en juillet. Vous avez 3-5 sur la table. C'est une année de d'immenses changements, de beaucoup de mouvements. L'as, pardon, l'as d'épée au mois d'août, le pape, l'hiérophant au mois de septembre, le 6 de coupe au mois d'octobre, le 6 de bâton au mois de... Ah! 3-6 côte à côte. Waouh! OK. 6 de coupe, 6 de bâton au mois de novembre, 6 de denier au mois de décembre. C'est très, très rare. 3-5, 3-6. C'est très rare. Ce que je veux vous dire qui compte d'une façon extraordinaire ici, c'est que après les aléas des 3-5, qui sont pas faciles, en plus, les 5 sont jamais faciles de toute façon, là, mais vous avez probablement les 3 plus difficiles, à mes yeux du moins. Vous avez 3-6 qui sont comme un baume. Ce que je trouve fantastique, c'est que l'année va donc se transformer, vous transformer. Vous allez vivre une situation absolument incroyable. J'ai très hâte de clarifier. Je suis vraiment contente de voir les 3-6. J'aurais jamais cru. Alors, il faut faire la recherche de ce que ça représente 3-6. J'avoue que je m'en souviens pas comme ça à brûle-pourpoint. Cherchez sur Internet. Moi, je vais le faire tout de suite après avoir tiré la vidéo. Parce que ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que je suis poisson. Donc, sans vouloir m'immiscer dans le tirage, bien sûr, je vais quand même faire la recherche. De toute façon, je suis trop curieuse pour ne pas le faire, mais... Bref, c'est important. Cherchez 3, 5 et 6. La tour. Vous êtes le quatrième signe de toute cette série qui commence au mois de janvier avec la tour. Je crois que c'était Bélier, je suis certaine. Il y avait, je crois, Gémeaux. Et le troisième, je pense que c'était peut-être la Vierge. Écoutez, je m'en souviens pas, mais le Bélier, je suis certaine. Gémeaux, je suis presque certaine. Le troisième m'échappe. C'est une grosse année pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ici.
deux d'épée, l'as de pentacle. Elles ne se sont pas tournées, je ne les prends pas. Le 3 de pentacle à l'envers, le 4 de coupe, le 10 de denier. Le 8 de pentacle à l'envers. Le chariot à l'envers, le monde. Je les remets. Ils ne se sont pas tournés. La reine de bâton, le 5 d'épée. Le défi maintenant, c'est d'en faire tourner juste une. Il y en a trois, je vais les prendre. Quatre! Oula! La lune, le roi de pentacle à l'envers, la mort et l'ermite. Ok, c'est assez intense. L'autre signe qui a eu un groupe de cartes à la fin comme ça sur le mois de décembre, c'est le cancer. De mémoire. Ok, je peux commencer. Le valet d'épée avec la tour. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Il y a donc... Habituellement, le valet d'épée, il n'y a pas vraiment de messages qui vous sont communiqués. Du moins, quand il y en a, c'est vraiment de façon indirecte. Et c'est souvent du visuel et non du verbal. Entre autres parce que c'est la carte, donc où est-ce qu'on espionne les autres. J'ai donc l'impression que vous découvrez quelque chose de caché qui vous ébranle d'une certaine façon, en bien ou en mal, je ne suis pas encore certaine. Évidemment, je n'appelle pas ce qui est pénible sur vous, bien sûr que non. Donc, disons surtout que vous découvrez quelque chose de particulièrement important, je crois. Étant donné que ça précède les deux premiers 5 ici, le troisième 5 étant sur le mois de juillet, je pense que, en effet, ça vous ébranle, mais ça remue beaucoup de choses pour vous. Le 5 de denier, c'est le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent. C'est le fait donc de se sentir vraiment pauvre, mais à tous les niveaux, pas juste au niveau de votre cash flow. Vous êtes dans une situation précaire, à mon avis. Vous semblez aussi, donc, j'ai les mots ici, pieds et poings liés. Laissez-moi regarder Mars tout de suite. Mais les choses changent drastiquement au mois de mars. L'argent rentre. Mais vous avez des regrets, donc c'est à regret, c'est très étrange. J'ai même l'impression, et c'est bizarre, c'est comme si vous mettez vous-même une croix où vous bloquez l'accès à de l'argent. Où on vous bloque l'accès à de l'argent. Vous avez l'argent qui débloque au mois de mars, mais il y a quelque chose donc qui vous attriste en même temps. Il y a donc des regrets ou vous êtes déçu par rapport à même toucher cet argent ou peut-être de la façon dont ça se fait. Au moins, si vous étiez dans une situation donc précaire et difficile, surtout au niveau donc d'avoir à vous serrer la ceinture, ça va changer au mois de mars. Je pense même que c'est une rentrée d'argent même relativement assez importante. Si ce n'est pas l'argent qui rentre directement au mois de mars, c'est la promesse de recevoir plus d'argent plus tard. D'ailleurs, on le voit ici, cet argent, au mois de juin.
Donc, ce serait donc, ça renverrait à peut-être toucher une somme partielle, exemple comme un dépôt. Quelque chose du genre. Autrement, ça pourrait donc aussi être une situation si vous considérez que ça concerne votre vie amoureuse. Quoique, je ne suis pas vraiment tentée de vous l'analyser comme ça, entre autres parce que, outre le valet de coupe ici, vous avez juste le 5 de coupe. Ce sont les seules coupes sur la table, même dans les cartes qui clarifient, à part le 4 aussi de coupe. Donc, c'est pas du tout un tirage sentimental. Je peux même pas... excusez-moi les poissons, mais je peux pas aller là. Ah, c'est pas vrai. Il y a le 6 de coupe. Je le voyais plus. On s'entend que c'est pas très, très, très axé sentimental. Mais bon. Laissez-moi continuer. On va voir ce qui se dégage. Le roi de denier au mois d'avril avec le 3 de pentacle. Encore une fois, vous traitez avec quelqu'un qui fait de l'argent, quelqu'un qui tient les cordons de la bourse. Ça peut être un banquier, bien sûr, ça peut être juste un patron d'entreprise, un entrepreneur, quelqu'un qui réussit bien. Mais vous avez vraiment de la difficulté à avoir donc cette collaboration que vous souhaitez, celle que vous n'aviez pas ici, cette fameuse croix. Le fait donc que vous n'aviez pas accès à vos fonds. Je suis en train de me dire donc que vous attendiez cette nouvelle, mais quelque part elle est douloureuse ou en tout cas elle n'est pas facile à vivre sur le coup au mois de janvier. Entre autres parce que je pense que vous comprenez donc l'impact que ça a donc dans les mois qui suivent. Je ne pense pas que vous vous attendiez à ne pas avoir la collaboration d'une personne clé ici dans l'équation. On continue pour le moment. Au mois de mai, le valet de coupe avec le 4 de coupe. Donc, au niveau sentimental, quelque part, vous apprenez quelque chose au sujet de quelqu'un qui est ce roi de denier. Quelqu'un, donc, ce serait donc, l'objet de votre désir, la personne que vous, avec qui vous aimeriez être, mais de qui vous êtes isolé avec le 5 de pentacle. Il n'y a pas de communication. La communication est, on va dire, volontairement bloquée, même volontairement bloquée sur les médias sociaux, ce genre de truc. Mais vous espérez donc, ou bien c'est vous qui faites un geste. Mais comme il y a de la tristesse qui s'y attache, j'ai l'impression que c'est parce que la personne ne fait pas le geste envers vous. Si c'est en ligne avec le 3 de pentacle, il y a une mauvaise communication de toute façon. Il n'y a juste pas d'interaction constructive. Et là, ici, la personne qui donc fait le geste, qui aimerait avoir de la communication, qui communique gentiment et avec, j'ai le mot dévouement, elle est complètement ignorée. On l'ignore deux fois, au mois de février, au mois de mai. C'est la même chose en affaires. Donc, si je transpose par rapport à votre situation, travail, argent, surtout argent, vous avez beau cogner à la porte ici, encore une fois, on passe par-dessus votre dossier. Au mois de juin, il y a, on va dire, un changement de situation. L'argent rentre. Mais aussi, ça se peut que vous ayez de l'aide de votre famille. En tout cas, votre logis n'est pas menacé. Vous êtes quand même confortable, vous vous sentez bien. Je pense que la saison d'été vous sourit. J'ai l'impression aussi que vous n'êtes pas très... vous faites une incroyable différence. Vous êtes capable de faire la part des choses, entre guillemets, entre, j'ai envie de dire, votre vie personnelle ici
votre vie de famille, tout ce qui concerne votre chez vous, les liens que vous entretenez, peut-être même quelque chose que vous faites de la maison qui vous rapporte des sous. C'est complètement différent. Vous semblez avoir une meilleure, en anglais, a better footing. Donc, être plus stable dans cette sphère-là qu'au niveau donc, de cette interaction avec cet homme d'affaires en particulier. Si ce n'est pas un homme d'affaires, ça représente une entreprise, en effet. Ou, autrement dit, une source de revenus X. Vous semblez avoir donc une deuxième source de revenus. Ou alors, vous vous faites aider, comme je disais. Ou alors, les choses changent et c'est l'argent que vous attendiez pour lequel vous avez donc je me demande comment vous avez fait pour avoir gain de cause. Je ne sais pas si vous avez été particulièrement charmant, dans le sens où peut-être que vous avez été conciliant ici avec le valet de coupe. Parce que voyez-vous, le valet de coupe ici, c'est la même main qui, qui apporte la coupe ici. Donc, c'est tentant de dire que c'est peut-être vous qui faites les premiers gestes. Et que donc c'est cet homme d'affaires qui vous ignore, qui est le personnage ici. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on vous voit ici comme la reine de bâton, comme ayant finalement une assez haute estime de vous-même, que vous n'en êtes pas forcément, à mon avis, pas du tout ébranlé même. Et j'insiste sur le « pas du tout », parce que je pense que vous avez un surplus d'assurance, vraiment. J'ai presque envie de dire que c'est parce que l'argent rentre d'un autre endroit, peu importe la forme que ça prend. Il y a quelque chose qui fait que, même quand la source, on va dire, peut-être principale, ce tari qui était représenté par ce roi de pentacle, et même si c'est en amour, donc c'est avoir l'impression d'avoir une connexion particulière, que ce soit la personne vraiment clé dans votre vie durant les 6 premiers mois de l'année. Mais quand, en bout de ligne, si ça ne fonctionne pas, si dans le fond vous apprenez une nouvelle un peu donc qui était tenue relativement secrète, que vous avez découvert en faisant des recherches, personne ne vous l'a dit, vous avez trouvé une information clé qui était peut-être un peu une mauvaise nouvelle au départ, qui vous a donc fait sentir pauvre ou laissé pour compte, qui vous a un peu attristé. Vous avez quand même, donc, je ne sais pas, trouvé la façon de tirer votre épingle du jeu. Vous avez peut-être, surtout au niveau financier, donc je sais que je mêle les deux, hein, je suis en train de mêler vraiment les deux messages pour vous donner le maximum d'infos, mais au niveau financier, on dirait que vous avez trouvé une façon de générer des sous, donc de ne pas dépendre directement de cette personne. Donc, quand cette source se tarit, OK, tout va bien, mais en voulant dire, tout fonctionne quand même pour vous. Peut-être même mieux quand vous le faites d'une autre façon. Peu importe c'est quoi cette autre façon-là. C'est sûr que si c'est de l'aide qui vous vient de votre famille, dans un, par exemple, vous n'allez pas vouloir dépendre de cette source d'aide ad vitam aeternam, donc vous n'allez pas vouloir en abuser. On voit ici au mois de juillet, donc ça se peut que vous ayez donc des conflits au travail, bien sûr, ça c'est le message super simple et direct à vous dire si je prends juste 2-3 mots-clés par carte. Le béaba de cette interprétation, mais outre ça, vous n'allez surtout pas mettre d'effort à essayer de guerroyer
pour quelque chose qui en vaut peut-être pas la chandelle. Autrement dit, si au niveau de cette source d'argent qui est représentée ici donc par votre lieu de travail principal, dans un sens, à cause du 8 de pentacle à l'envers, il y a deux façons de voir ça. C'est vous ne choisissez plus de vous investir donc dans une situation qui vous blesse finalement. Un peu comme vous auriez aussi vous-même trouvé une façon de vous déconnecter de la sensation ici de manquer de quelque chose. Un peu comme quand on... le feeling ici de d'essayer de rentrer en soi-même et de se distancer volontairement. Un peu la même chose ici, c'est de, à travers donc une situation qui est décevante, trouver, on va dire, le côté positif des choses, si je l'emploie de cette façon. Au mois d'août, même idée, autant vous avez eu une... vous avez trouvé la vérité, donc de façon détournée ici, comme un détective. Ici, peut-être qu'on vous fait un message plus officialisé, plus direct, qui finalise le tout, un genre de décret, peu importe, comme vous voulez, comme vous désirez ou comme ça résonne pour vous, pardon. Il y a quelque chose donc qui s'arrête, il y a quelque chose qui prend fin. Vous allez devoir changer de direction clairement ici parce que vous butez contre une porte fermée. Peut-être aussi qu'on ferme la porte. C'est toujours la même impression ici. Quelque chose qui vous est bloqué. Le manque de collaboration. Le manque de travail aussi. Même chose ici. Les choses sont épineuses. Encore une fois, on voit... ça, c'est pour moi, c'est presque le même personnage. Donc, c'est... signe de terre, ici c'est taureau, vierge, capricorne, ici c'est principalement le taureau bien sûr. Mais donc c'est ce même personnage très haut placé, indélogeable, incontournable, qui possède tous les droits, surtout le pouvoir décisionnel bien sûr. Ici, c'est vraiment la fin. Autant vous aviez la porte close, on sentait déjà que ça n'allait pas. Avec toute cette énergie au mois de juillet, c'est le moment donc où est-ce que ça... où est-ce que les choses vont presque au plus mal, mais que finalement, vous le saviez déjà. Vous le saviez déjà. Vous l'avez senti. Vous l'avez compris au mois de janvier, vous l'avez découvert. Vous l'avez vécu de toute façon au mois d'avril. Vous l'avez aussi vécu parce qu'on vous a ignoré donc au mois de février, au mois de mai. Mois de juillet, c'est juste compliqué, ardu, désagréable. Ici, enfin, les choses se clarifient et vous comprenez que ça, c'est vraiment en train de se refermer. Donc, le cycle se referme. Vous allez passer à la prochaine étape. Comme vous désirez l'entendre ici, c'est... il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Il y a quelque chose donc qui se termine de façon absolument... en fait, bien, qui se termine bien à mon avis, parce qu'elle se boucle complètement. Il n'y aura pas de retour en arrière. Quoique... on va voir, je vois déjà des petits relents ici sur le reste de l'année. Je continue, on va voir. Sur les 3-6, on a donc la reine de bâton qui revient. Ça, c'est vous. Je vous le dis, vous avez une confiance inébranlable cette année. Je ne sais pas comment vous faites. C'est comme si vous aviez bu la potion de... la potion magique. Parce que vous êtes invincible. Toute proportion gardée, bien sûr. L'idée ici, c'est simplement que
Encore une fois, votre famille vous soutient. Vous avez un réseau d'amour incroyable parce que c'est la même énergie, regardez. Reine de bâton, 10 de pentacle. Et reine de bâton, 6 de coupe. Donc, il y a vraiment des gens qui veulent votre bien. Il y a des gens qui sont là pour vous. Les gens vous aiment autour de vous. Vous êtes super bien entouré. C'est probablement ce qui vous porte, entre autres. C'est magnifique. Je continue, puis on va voir un peu plus loin. Novembre, le 6 de bâton, vous avez une forme de succès. C'est un peu la même chose qu'ici. Vous aviez donc, il y a de la tristesse, mais il y a déjà donc un début de succès. Ici, vous avez plus de succès, ou en tout cas, le succès est affiché, si on veut. Il est visible, il est... Même à vos yeux, c'est reconnaissable. Vous savez exactement ce que vous avez fait, qui vous a rapporté, ce que vous recevez finalement. Que ce soit de l'argent, des accolades, peu importe. Vous savez là où vous avez performé, si vous préférez. Mais il y a des jaloux autour de vous. Il y a des gens qui essayent de jouer des jeux, qui veulent vraiment compliquer les choses. C'était la même énergie ici, le 5 d'épée. Notamment donc au sein du boulot, mais c'est peut-être pas juste le boulot comme tel, c'est dès que vous avez du succès dans le fond. Ici, c'est la même chose parce que même si la carte est à l'envers sur le 8 de pentacle, c'est le travail bien fait. Donc, là où vous êtes, là où sont vos forces, ce dans quoi vous êtes bon, que vous êtes bonne. Donc, même idée, les gens sont jaloux. Décembre, sur le 6 de denier, quand les choses donc vont bien, les choses s'équilibrent pour vous, les rentrées, les sorties d'argent sont mises à niveau, vous avez bien budgété, vous êtes confortable. Il y a deux choses aussi, vous avez aussi peut-être un mécène. Donc, c'est intéressant que vous avez dans le fond presque, j'ai pas envie de dire le mot ennemi, je ne voulais même pas le prononcer, mais vous avez comme ce personnage, donc le roi de Pentacle, on va dire qu'il n'est pas votre ami, qu'il n'est pas votre allié. Mais vous avez une forme de mécène. Il y a quelqu'un qui est très généreux à votre égard, qui est peut-être ce pape, en passant. Donc même si j'ai associé tantôt le roi de Pentacle avec le pape, ça se peut fort bien que ce soit deux personnages complètement différents, deux personnes différentes. On pourrait même voir que ça peut être un patron au sein de votre travail, une personne spécifique, et ça pourrait être au sein de l'entreprise. Ça pourrait être l'entreprise au complet, la corporation au complet. Voyez-vous la nuance? Donc, quelque part, peut-être que l'organisme est ou vous est favorable d'une certaine façon. Donc, vous déplace, peut-être vous amène dans une autre branche, dans un autre département, vous replace ailleurs, vous recale. Non, recaler, c'est pas positif, désolé. Vous replace. Mais vos affaires vont bien en décembre. Les choses s'équilibrent et vous bénéficiez vraiment de la générosité de quelqu'un, à mon avis, de façon directe même. Sans que ça soit quelqu'un qui vous donne des sous nécessairement comme quelqu'un qui vous verse une rente. Ce n'est pas vraiment ce que je pressens. C'est plus... en effet, donc, pour le travail donné, ce qui rentre, ce qui sort, ça s'équilibre par rapport à ce qui est échangé. Là où ça se corse, c'est ce qui clarifie. On retrouve le fameux roi de Pentacle, mais il est à l'envers cette fois-ci. Il y a quelqu'un donc qui est super mécontent. Il y a quelqu'un donc qui est comme... qui n'a pas complètement disparu de votre vie. D'une certaine façon, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, il disparaît du portrait. Donc, il y a quelque chose qui est caché. Il y a des choses que vous ne savez pas. Je vous le dis tout de suite. Par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, par rapport à peut-être comment, si c'est le cas, peut-être de comment cette personne vous a nui ou en tout cas à chercher, donc à vous bloquer.
vous priver, peu importe la forme que ça prend. Donc, les complications qu'elle aura mises sur votre chemin par rapport donc à votre rendement, entre autres. Mais on voit donc une grande transformation. Il y a quelque chose qui se termine, je vous le dis. Le monde ici, autant vous avez une porte close, autant les choses se terminent bien. J'insiste là-dessus parce que je veux que vous voyez le positif. Donc, vous avez plusieurs moments où est-ce qu'il y a des choses qui fessent, qui rentrent dedans. Janvier, je vous dirais quand même le mois d'août. De façon plus positive, le mois de septembre. Et décembre, je pense que vous êtes en mesure avec l'ermite ici de regarder d'ailleurs la façon dont le personnage est tourné. Vous prenez du recul sur ce qui s'est produit, sur cette situation difficile avec ce personnage on ne peut plus revêche et par rapport à toutes les choses que vous n'avez jamais apprises et que j'espère que quelque part resteront aussi un petit peu quelque part je vous souhaite de peut-être pas connaître le fin fond de l'histoire parce que ce serait peut-être pénible. Ici c'est la lune mais ça renvoie aussi les poissons, c'est vous. Donc, c'est votre relation avec cette personne-là. Ça peut être en amour, comme je vous dis. Ça se peut donc que vous connaissiez une situation où est-ce qu'il y a une fin dans une relation. Vous allez peut-être vous retrouver seul en fin d'année, mais complètement transformé. De toute façon, la relation est terminée. Il y avait trop de cacheterie, trop de secrets. La personne n'était pas stable, surtout n'avait pas vos avantages, vos intérêts. Je ne veux pas dire que c'est vos intérêts, donc, dans le sens où je ne veux pas que vous le preniez comme si c'était justement par rapport à l'argent, même si l'argent est omniprésent dans ce tirage d'une certaine façon. C'est aussi par rapport à ce qui vous sert dans la vie en général. Donc, la personne ne voulait pas vraiment, quelque part, que vous réussissiez autant. Qu'est-ce que vous parvenez à le faire malgré les embûches, malgré les difficultés? Le fait que vous retrouviez votre équilibre, que les choses quand même se tassent, se placent. Mais le plus beau, ce qu'il faut vraiment que vous sachiez, c'est à quel point vous avez... Pour moi, là, c'est le plus important, c'est cette énergie-là dans... C'est ce qu'il faut que vous vous souveniez, que vous gardiez en tête pour vous-même durant toute l'année, peu importe quand les choses vont se passer, comment elles vont se passer. S'il vous plaît, restez cette reine de bâton. Souvenez-vous de ce tirage, ne serait-ce que si c'est la seule chose que vous gardez en mémoire. Sachez que vous êtes supporté, qu'on vous aime, que les choses vont bien, que vous allez garder votre stabilité. Vous ne pouvez pas vraiment être décontenancé ou déstabilisé. Une autre façon de le dire, c'est que vous ne serez pas jeté à terre. Même si vous allez avoir l'impression de connaître avec les 3-5, d'avoir l'impression d'avoir touché un fond. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que des 3-5 au 3-6, c'est que... Peut-être, oui, vous avez l'impression de toucher le fond, mais vous allez rebondir. Je veux revenir sur quelque chose. C'est, vous allez vraiment être tout un... C'est le philosophe, lui, du tarot. Donc, c'est en regardant ce qui s'est produit... En plus, c'est comme la dernière carte de toutes ces cartes sur la table. Donc, l'ermite regarde tout ce qui s'est passé durant l'année. Au complet. Donc, vous allez prendre un recul incroyable. Vous allez être capable de relativiser, mettre en perspective, trouver les réponses qui sont les vôtres, les bonnes, celles qui vous parlent.
Mais donc, surtout, cette reine de bâton, c'est... Il y a une certaine fierté que vous avez, que personne n'est capable de d'ébranler, que personne n'est capable de... de détruire ou de ronger. C'est quelque chose donc de fantastique. Vous avez une force de caractère incroyable. Vous êtes comme un signe de feu ici, en fait, à cause de cette reine de bâton. Et ce que ça souligne, parce que c'est l'élément feu, c'est que votre passion, elle est intarissable. Donc, ce qui vous porte, si jamais c'est quelque chose que vous faites, qui vous génère des sous, que vous le faites à partir de la maison, continuez dans ce sens parce que il n'y a personne qui peut vous l'enlever, ça. D'ailleurs, on a aussi donc l'ermite qui est une carte de travail, de faire le travail, d'être très, très minutieux dans son travail. Choses pour lesquelles vous êtes reconnu, absolument. Les accolades que vous recevez, ce que les gens constatent, ce que les gens sont à même de voir, ce que les gens savent, ce qu'ils savent de vous, ce qu'ils disent de vous. Toute une année, parce que quand même, les changements sont profonds, les changements sont assez... sont assez importants. Surtout au printemps. Surtout au printemps. Jusqu'au mois d'avril, je dirais. Parce qu'au mois d'avril, on dirait vraiment que vous avez maille à partir. C'est juste qu'au mois d'avril, vous... Comment je pourrais vous dire ça? Même si vous découvrez quelque chose ici au mois de janvier, parce que vous avez fait des recherches, c'est plus comme si vous avez le constat au mois d'avril, parce que là, vous avez le concret. Et si vous ne l'avez pas tout à fait au mois d'avril, vous l'avez définitivement au mois d'août. Avec, là, vous avez les choses, c'est dit, c'est su, c'est... vous avez la confirmation. Vous avez aussi l'aide de ce personnage, quel qu'il soit. Si ce n'est pas un personnage, comme je vous dis, vous êtes épaulé de façon beaucoup plus large par une institution. Donc, ça peut être évidemment le gouvernement, ça peut être une corporation, ça peut être... mais vous ne serez pas donc démunis. Complètement. Vous devez vraiment faire confiance que votre situation va se rééquilibrer et que quelqu'un, donc... j'ai dit un mécène tantôt, mais... peut-être même que c'est un mentor et non un mécène. Peut-être que c'est juste de l'aide, comme le soutien avec des prestations, peu importe comment. Ça peut être tellement de choses différentes. En tout cas, gros, gros changement et quand même une relation complexe avec un personnage qui a une importance quand même majeure dans votre vie. Donc, encore une fois, vous pouvez l'interpréter au niveau des amours. C'est surtout au niveau de votre carrière, de votre travail, de la façon dont vous gagnez votre vie, à mon avis. Mais ça peut aussi se jouer par rapport à donc, quelqu'un avec qui vous êtes peut-être marié. Ça se peut. Parce qu'on a donc les cartes de l'engagement ici deux fois. Mais moi, j'ai l'impression que exemple, ce serait votre mari qui vous supporte ou votre femme versus un personnage au travail avec le 3 de Pentacle, quelqu'un qui serait un patron. C'est vraiment comme ça que je choisis de le voir. En tout cas, pour moi, c'est le message principal. Je m'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Ça compte beaucoup pour moi. Vous avez toute ma reconnaissance, bien sûr. Merci de liker la vidéo en échange. Merci de vous inscrire à la chaîne. Partagez la vidéo si quelqu'un, si vous pensez que quelqu'un peut en bénéficier. Pour tous les poissons que vous connaissez.
Je vous souhaite une magnifique année 2024. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci encore.